Bonjour, je m'appelle Romain Gadan, je suis artisan ébéniste, artisan menuisier, donc travail du bois. Ma société s'appelle Atelier Monson. En choisissant de fabriquer des meubles que d'autres personnes ne font pas, d'avoir des projets différents à chaque fois, j'ai choisi Origin, Shape Origin, parce que je voulais avoir un outil qui me permettait de faire des choses que d'autres ne font pas. Du coup, ça me permet vraiment de me différencier d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'arrive à caser des projets un peu plus fous que j'aurais pas pu faire avant. Donc voilà. Je vivais à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger pendant des années. Et je travaillais dans le milieu des makerspaces. Donc je donnais des cours de menuiserie. J'avais ma propre marque là-bas en Asie où je vendais mes produits en bois. Et c'est vrai que c'était assez tech là-bas et on était beaucoup au fait de tout ce qui est découpeur laser, CNC, etc. Et à mon retour en France, quand j'ai monté mon entreprise, un an et demi plus tard, la machine a fini par arriver sur le marché européen. Donc je connaissais le potentiel de la machine et ce que je pouvais en faire et c'est là que j'ai sauté sur l'occasion du coup. Voilà. Pour mon travail, finalement, dans l'agencement de la menuiserie, avant cette machine, il fallait soit que je trace tout à la main, la finesse et la qualité, soit ça me prenait des heures pour créer des guides, des gabarits, pour pouvoir faire mes usinages, soit de toute manière, je ne faisais même pas ce genre de projet parce que sinon, il fallait que je passe par une entreprise qui a un banc de taille et qui était capable de faire ça, mais le coût était très élevé au final. Donc voilà, je l'utilise beaucoup pour fabriquer des meubles. Tout ce qui est perçage, pour fixer les charnières de portes, les coulisses de tiroirs, etc. pour pas avoir à tout tracer, puisque de toute manière, je le fais à l'ordinateur avant. Donc plutôt que d'imprimer mes plans et tout refaire, je passe ça directement sur mes pièces numériquement. Donc c'est un gros gain de temps pour ça. Il m'arrive de passer par des architectes, donc je suis exactement ce qu'ils veulent faire. Donc quand c'est mes clients et mes projets, à chaque fois je propose quelque chose de différent. Alors c'est compliqué parce que je fais vraiment les choses complètement différentes. Donc j'essaye souvent des nouvelles choses et à tout moment, voilà, il y a forcément à un moment des erreurs ou des problèmes. Et il faut à chaque fois relever le défi et pousser le truc un peu plus loin. Du coup, avec Origin, j'ai encore plus de possibilités. Elle a une interface hyper simple, c'est comme un téléphone dernier cri. C'est très très simple d'utilisation. Tout est assez intuitif. Il faut apprendre à la connaître, mais alors après, c'est extrêmement simple d'utilisation. C'est un petit couteau suisse qui me permet de faire des opérations de finition. Toujours marrant sur les chantiers ou à l'atelier, que ce soit des collègues menuisiers, ébénistes ou sur des chantiers quand je sors la machine pour fabriquer, faire quelque chose. C'est les gens surtout qui sont surpris, ils disent oh, c'est assez dingue cette petite machine, ce qu'elle peut faire. Donc aujourd'hui, c'est pour une pharmacie. Ils ont eu un dégât des eaux, tous leurs meubles dans leur laboratoire ont été abîmés. La particularité, c'est que c'est vraiment que des meubles sur mesure, il n'y a rien de standard qui passe. Donc là, l'idée de tout fabriquer moi-même est intéressante. Et donc, pour fabriquer ces meubles, je crée tous les modèles en 3D. Et le Shape Origin est très pratique pour ça, parce que j'ai beaucoup de pièces de quincaillerie qui viennent toutes ensemble pour réaliser le projet. J'ai lancé la plaqueuse dessus, fait mes finitions de champ et j'arrive avec un produit fini qui est propre, qui est vraiment comme sorti d'usine au final. Et ça, je peux le faire dans mon atelier, je pourrais même le faire sur le chantier directement. C'est ça aussi le truc chouette. Voilà. C'est un outil qui se transporte facilement. Enfin, l'idée de l'entreprise, là aussi Atelier Monson, c'est de pouvoir transporter mon atelier un peu partout. Et c'est l'idée d'Origin aussi, c'est d'avoir ce petit banc de taille numérique même au fin fond de la Maurienne, au fin fond de la montagne. Ça se transporte n'importe où. Ça tient dans son système, donc ouais, c'est pratique.